excusez-moi. Je disais donc, eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Tale of Zestiria. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve, alors j'ai un petit peu travaillé, hein, comme je vous l'avais dit lors du dernier épisode. J'ai un petit peu, alors pas beaucoup, hein, je vais vous montrer ça, voilà, dans nos équipements. Alors, déjà vous avez vu, ils sont tous niveau 16, sauf Mikleo qui est niveau 15, mais Mikleo il me fait chier, hein, monsieur est en retard et tout. Donc, l'épée de Calcité, elle a pas bougé, non c'est l'épée d'ambre que j'ai enchantée, mais qui ne sert visiblement à rien, elle est plus faible. Bref, là j'ai rien changé. J'ai mis le gilet de Calcité à notre cher ami. L'anneau du néant n'a pas changé. Les bottes d'ambre, j'ai fusionné avec d'autres bottes d'ambre. Voilà. Niveau des, je regarde. On va mettre ça. Ensuite, chez elle, elle a toujours une ombrelle. Okay. Elle tape pas fort quand même. Ici, elle a un bon taux de calcité fusionnée. Habit soyeux, non, c'est très bien ça. L'anneau d'eau, donc on peut rien changer. Là, c'est pareil. Ici, vous voyez, Alisha a une lance usée de niveau plus 1, donc fusionnée. Nœud de lime, ça. Nœud d'ambre. Ah, ça augmente quand même tout. On baisse de 16 et on augmente de 10 et de 19. Oh merde, c'est beaucoup mieux, ça, c'est moins bien. Ça, ça a pas changé. Ça, ah, d'ailleurs. Ok, très bien, non, il n'y a rien qui... Voilà, ici... Ici. Non. Ici, alors vous voyez que notre cher ami a obtenu de nouvelles cartes. Voilà. Pile en bambou. Et elle a ça. Mais non, elle a pas ça. Ah mais non, c'est équipé à elle, d'accord. Des fois, les images sont dures à comprendre. Tir de calcité et de niveau 2. D'ailleurs, je peux peut-être la mettre de niveau 3, je verrai ça. Habit d'ambre, ça. Je pourrais le mettre en... Je pourrais les fusionner aussi. Les bottes d'ambre, ça n'a pas changé. Seigneur principal. Non. Et Mikleo a obtenu un autre bâton de calcité. Sérieux? Il va falloir que je les fusionne cela. De toute façon, avant d'aller affronter le boss, on va d'abord passer par ah, c'est mieux ça quand même. On va d'abord passer par je vais retrouver mes mots, vous inquiétez pas. Alors voilà, Auberge Wantinga, voilà, on va aller ici, hop, donc on va d'abord aller ici pour fusionner, donc ce qu'on a fusionné, et aussi se régénérer en CS, pardon. Je sais pas ce que ça signifie CS. Parce que PM c'est point de mouvement, mais CS ce serait concentration spirituelle. Ouais, peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, on va fusionner. Voilà. Fusionner. Bâton de calcité. Donc il deviendra un bâton de calcité. Il augmentera son attaque et son attaque, j'ai l'impression. Voilà. On n'avait pas autre chose. Bâton d'ambre, papier d'ambre, ombrelle chérie. Ah, voilà. Tiers de calcité de niveau 2 qui va devenir une tiers de calcité.
de 4 cités de niveau 3. Voilà. Et. Ah si, on a l'abidambre aussi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est magnifique. Les anneaux de feu, bah, on va éviter. Hein, parce que bon, après, on va se retrouver avec des anneaux moins. Et donc, c'est bon. Je vais juste acheter. Enfin, voir si on peut acheter. Alors. Fiole sacrée, Anpen. Non, ça, on s'en fout. Ombrelle de calcité. Ah, bah ça m'intéresse. Oui. Pourquoi j'ai pas vu ça? Donc, ça baisse. Boucle d'oreille de calcité. On prend. Oui. Diadème de calcité. On prend. On achète. On équipe. On est devenu des clients. Oh, oh. Habit de calcité. Eh bien, on va mettre à notre cher Enna. Anneau de vent. Anneau de vent, on va l'équiper à Alisha. Et course brûlant, on va la mettre à Mikleo. Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que maintenant, normalement, tac. Donc là, il n'y a rien. Là, voilà. L'anneau de feu. On peut faire ça. Tout simplement. Et ah non, c'était les bottes. Ah mince. Ouais, c'est pas grave. Du coup, on n'a plus de gold. On n'a plus d'argent. Voilà. Donc, on va aller se régénérer en CS. Ouais, parce qu'on en a besoin. Et ensuite, on va aller affronter le boss. Alors, j'espère que j'aurai juste assez d'argent pour faire les deux. Et le voyage et... Et l'autre, au pire, j'irai vendre quelques trucs hein, s'il faut. Mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Alors, déjà, en fait, je voudrais aller voir si il n'y a pas moyen. Alors, effet. Lorsque les personnages d'un PV sont inférieurs à 40, restaure 20% des points de vie. 15% après 30 secondes de combat, restaure 15. Soigne d'apparition, ressuscite la cible et restaure. Alors ça j'aime bien parce que c'est plutôt pas mal quand on est critique, voilà. Il paraît que c'est comme se faire. J'aime bien les petites scénettes comme ça, je trouve c'est sympathique. Ça rajoute un petit peu d'humour et tout. A appris le talent fusion. Oh! Attendez. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir fusionner nos trucs... Alors c'est où? C'est... les trucs d'exploration. Non, c'est capacité en combat... modifie les arts. Non, c'est pas les arts. Voilà, modifier les paramètres d'exploration. Voilà. Fusion. Créer des points de fusion dans le temps, puis utiliser-les pour fusionner. Ah. Bon, pour le moment, soin progressif est quand même vachement mieux, mais j'avoue qu'on va pouvoir utiliser fusion, et je pense que ça va pas nous coûter d'argent d'utiliser fusion, ce qui est plutôt pas mal. Et oui, vous devez sûrement vous dire, mais pourquoi t'es parti? Je ne sais pas. Je ne sais clairement pas. Hein. Il y avait un point de sauvegarde au niveau de... Donc, ruine de Bohort. Je suis en train de me demander, Bohort, ce serait pas l'un des chevaliers de la table ronde? Ça me dit quelque chose, hein. Ça me parle de Camelot, hein, Bohort. Après, peut-être que je me trompe, c'est genre un prêtre ou un truc comme ça, mais je crois qu'il y a un rapport avec... Bon, en tout cas, là, on est chaud. Là, on est paré, les amis. Il n'y a pas de raison qu'on perde. Et on y va. D'ailleurs, vous avez vu, on a 4 jauges de GP. Donc, très franchement, là, le boss, on va le défoncer. On va lui faire la misère. On va lui mettre la misère. Et voilà, tout simplement. Tout simplement, cette fois, on le viole. Voilà. Voilà. Moi, je le dis. Hein. Moi, j'annonce. Voilà.
Alors, sur internet, oh, elle est jolie la lance. Ah, j'aime beaucoup. Alors, non. Ah, mais non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, comment on change de. Mais non! Je veux changer de. Je voulais changer de. De. Comment? De. De cible. Ouais, je vais faire ça plutôt. Et. Attention. Donc ça, non, c'est pas ça. Ok, alors attendez, je vais. Ok, bon, là on va être un peu dans le mal. On va se laisser mourir. Il faut que je retrouve comment on change. Non, ça c'est la course. Ça, je sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est pour se transformer. Donc non. Ça. D'accord, c'est comme ça. Ok. C'est bon. Bon, on va sûrement mourir. On va essayer de pas mourir, du moins. Hein, du mieux qu'on peut. On va essayer du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut de ne pas mourir. Mais on va sûrement mourir, les amis. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave, on va recommencer. C'était le fail, c'était le fail. Le fail, pardon, pas le fail. Allez, tue-moi. Non mais clairement, là, ça sert à rien de se battre, de toute façon on a foiré, donc bon. Allez, tue-moi. Voilà. Voilà. Ah bah ok, tu veux pas, tu veux. Mec, il veut pas nous tuer, quoi. C'est. Allez, mais il me reste 25 points de vie, quoi. Tuez-moi, les mecs. Voilà. Allez, on réessaye. Mais non. Réessayer. Et cette fois, on est prêt. Oui. Alors. Voilà. Non, pas dispersion. Alors attendez. Attaque concentrée, voilà. Je préfère. Je préfère qu'on parte sur. Je préfère qu'on parte sur de l'attaque concentrée. Perso, je. Voilà, je trouve ça un peu mieux quand même. Ok, alors attention par contre. Ouais, on va. Voilà. Ah oui, d'accord. Ok, alors attendez. Parce que du coup, là, on a plus de. Allez, là c'est bon. On va d'abord, voilà, tuer tout le monde. Alors, c'est la technique, hein, c'est la technique qui est donnée sur Internet, c'est-à-dire vous tuez d'abord toutes les petites bêtes et ensuite ce sera bon. Donc, mince. On va attendre de régénérer. Hop. Allez, on va la voir. Hein. On va la voir. Ah bon, ok, bon. Non, pas vraiment, puisqu'il se protège. Donc, bon. On va pas trop la voir. Voilà. Ok, alors par contre.
On va se retirer. Ah d'accord, ok, j'ai plus de points de vie. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par se donner, voilà, ceci. Voilà. On va commencer par ça. Hop. Alors il a combien de points de vie? Il est déjà à 3100. Bon. Je veux pas dire, hein, mais bon voilà, hein, c'est plutôt... Oh là là. On va utiliser une gelée de pommes sur elle. Et on va utiliser... Non, pas toi, elle. Tu vas utiliser une gelée sur nous. Voilà. D'accord. Ah d'accord, elle est morte. Ok, alors ok. On va faire vite ceci. Une cheval de résurrection sur toi. Voilà. Oh là là. Voilà, on fait ça plutôt. On va faire plutôt ça. Ok, bon là il se protège de toute façon. Oh là 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 là. On va utiliser une autre gelée de pommes. Voilà. On va encore... Ah non, on peut pas. Allez. Ok, on va encore utiliser une gelée de pommes sur nous. Oh là là, oh là là. On va utiliser... Mince, on peut pas encore. Oh là là, ok, c'est bon. On va utiliser une... On va utiliser une fiole de résurrection sur elle. Voilà. On va attendre. Meurs pas, putain, meuf! Bon. Oh, comment on l'a arrêté? Ok, alors il reste combien de points de vie? Ok, il reste moins de la moitié. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un élixir, tout simplement. Je pense que ça peut être bénéfique à tout le monde. Ok, maintenant. Voilà. Très bien, ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Heureusement que cette attaque fait quand même plutôt mal. Heureusement que cette attaque est quand même, on va pas se mentir, plutôt pas mal. Ok, là ça sert à rien. On va faire une fiole de résurrection. Oh oui, on l'a eu, les amis! Amatrice de fusion. Le lien de puissance. N'importe quel groupe d'ennemis peut comporter des adversaires. Certains ennemis peuvent former des liens de puissance entre eux. Ce qui gonfle. Milliers prompt. D'accord. D'accord. Bien, 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 bien. Encore? On voit sa culotte. Non mais, dis pas Alisha, on voit sa culotte. C'est tout ce qui nous intéresse.
C'est pas vrai, il a une résistance au feu, tu peux pas faire ça. M'arrêter, elle va pas mourir. Voilà. Cet épisode s'appellera Culotte. Voilà. Ou la culotte d'Alisha. Sauf s'il y a un truc plus important qui se passe. Mais franchement, je pense, à moins qu'on voie Alisha toute nue, il n'y aura rien de mieux. Hein, je suis désolé les gars, mais là, je peux pas vous mentir les gars. On a vu une culotte. Alors je rigole parce que... Ouais, grave, ce combat était très difficile. Je rigole parce que je me demande si c'est pas Sleepy qui m'avait demandé que je parle un petit peu plus de choses comme ça sur mes vidéos. Du coup, voilà, je crois que c'était Sleepy. Je sais plus si c'est Sleepy ou si c'est... Je sais plus. C'est dur, hein. Donc, Elysia, c'est notre patrie de début. Damlak, bah c'est Damlak. Et donc, Marlind, c'est... Marlind. On va aller près de l'entrée sud. Près de l'entrée sud. Allez. Ah, on a libéré toute la truc. Ah, c'est génial. Tout est libéré. Alors. C'est magnifique. Je pense. Ouais, voilà. Du coup, tout le monde va mieux. Et c'est très très cool. Bon, bien sûr, on va aller le voir. Ah, c'est quand même beaucoup plus joli quand il n'y a pas toute la... Allez, gâteau, copain. Bien, 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 bien. On va aller faire une petite pause à l'auberge, du coup. Ça va, Marlene a été quand même vachement rapide, hein, je trouve. Enfin, je veux dire, par rapport à Damlak, où Damlak, on a quand même fait pratiquement 10 épisodes. Bah, quand même, on doit être à quoi? L'épisode 21? Peut-être 22? On est arrivé là, peut-être épisode 16? 17?
Donc je pense que c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Marlene a été plutôt rapide. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors. Ah, merci. Si tu pouvais pop, hein, ça aurait été mieux. On va mettre celui-là. Je prends le moins cher parce que de toute façon. Je sais pas s'il y a moyen de ne pas avoir ces trucs. Genre si on fait B. C'est un robot en fait. C'est un Elion. C'est Zabo. Mais répondez-lui. Par contre, c'est un mec de type vent. Donc je pense que ça va être lui et pas Tarzan, notre copain. Fait chier. Bon après, c'est Zabo, donc ça ira bien. Parce que d'autres endroits ont besoin de nous. Tout simplement. Enfin. Effectivement. C'était Zabo et Zabon, on l'a vu avec qui? Zabo, je me demande si on l'a pas vu avec la meuf aux dagues. Ou alors. La meuf aux dagues, c'est la petite sœur de l'assassin. Et l'assassin va mourir et Zabo va devenir le séraphin de la meuf aux dagues. Et la meuf aux dagues va nous rejoindre. Eh, y a twist ou y a pas twist? Elle veut pas nous rejoindre. Enfin, elle veut pas nous. Elle nous suivait, mais maintenant son titre de princesse va la forcer à rester, je pense. Je pense que ça va être ça le prochain twist. Allons faire nos adieux à Rohan et aux autres. Ouais? Eh bien, mes amis, on fera ça dans le prochain épisode. On a plutôt vachement bien avancé, je pense. On a été plutôt très très bon. Je voudrais voir notre barre d'XP. Notre barre d'XP est presque pleine. Oh là 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 là, c'est magnifique. Prochain épisode au monde niveau 18, 17, pardon. Pas 18, on va pas mettre de la charrière dans les bœufs. Les capacités bonus. Les leçons d'aujourd'hui portent sur le cours bonheur. Tu peux sans doute utiliser. D'abord, cumule un bonus que tu peux activer en. Ouais.
quand on équipe 4 fois la même cave, c'est le cumul. D'accord. D'accord, donc grosso modo, si j'ai bien compris, là vous voyez, il y a 5 petites boules. Alors je pense que la blanche c'est le neutre, le rouge c'est feu, jaune, orange c'est terre, bleu c'est eau, et vert c'est air. Et du coup, si j'ai bien compris, déjà nous on a un petit bonus, mais en équipant par exemple tous les neutres ensemble, on obtient non, c'est 5. En équipant 5 sur la même ligne, on obtient un bonus de... Comment ça s'appelle? De... Croc du dragon de la terre. Choc ténébreux. Ah non, c'est bon, c'est ce qu'on a. Je pense que du coup, on obtient une union. Voilà. Voilà, voilà. Je voulais voir au niveau des arts. Non, on n'a pas obtenu. Donc c'est... Non, c'est pas là. Non. Gros cinglant. Vers les arts séraphiques. Flèche de bulle, ah oui, voilà. Écho et satellite rocheux. On n'a que satellite rocheux, que écho volant, que flèche de bulle. Régénération, élixir de vie, torrent de dragon divin. Avec un GP, d'accord. Mince. Ouais, c'est ça. Lance du phénix divin, très bien. Très très bien. Bien. Et bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le... Excusez-moi, le commenter, vous abonner, le partager. Et moi je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Allez, bye bye.